Écoute-moi bien. Tu vas devoir être courageuse. Un homme va t'emmener. Je ne peux pas venir avec toi. Nous n'avons pas le choix. Cet homme est différent. Il saura te protéger. Surtout, ne le juge pas sur ses actes. Pardonne-moi. Peut-être qu'un jour, tu comprendras tout ça. Ici Benjamin Travis. L'argent a été viré sur votre compte. Bienvenue à Chicago. Je vous remercie d'accepter cette mission, 47. Ce n'est jamais simple quand la cible est de la maison. Mais la trahison de Diana Burnwood ne doit pas rester impunie. J'aurais pu envoyer une équipe de nettoyeurs, mais c'est une mission pour un scalpel, pas un marteau. Inutile de vous justifier. Exactement. Bonne chance, 47. Chef. Oui, une camionnette de glace. Oui, je sais. Oui, je le dirai. Hé hey. Fichez le corps, on a besoin de rien. Et votre collègue? Quel collègue? Ici 4, il faut renforcer la sécurité à l'entrée du mur. Des caméras de surveillance, des détecteurs de mouvement, et puis aussi des nouvelles tourelles de tir... Quoi ? Qui est là ? Répondez. Je sais que c'est le choix de la cliente. Mais je suis pas d'accord pour autant. Embaucher du personnel des boîtes de la région. On n'a même pas le temps de vérifier leur profil. Demande un service. Va voir. Compris. Ok, c'est comme si de rien n'était. Ok. On n'est pas censé savoir qu'il a... Qu'est-ce que... On a peut-être un intrus. Je vais fouiller le secteur. N'en fais pas. Je suis hyper diplomate. Hé hey, il y a quelqu'un ici? Elle l'a supplié d'aller voir un docteur. Mais il ne veut pas que tout se soit trop court. Foiré immunisé à sa place. Et puis bam, ça te frappe en pleine tronche. Quoi de neuf, Hank ? Il est venu voir si j'allais bien. Hein ? Non, je fais ma ronde, c'est tout. Ouais, ça va.
On me la fait pas, moi. Ça devait bien finir par arriver. Ça me fait plaisir que tu t'inquiètes pour moi. Écoute bien, petit. Tu devrais laisser tomber ce boulot. Va plutôt construire des ponts ou sauver les tortues de mer. Si on était une agence de voyage... T'es allé à la cuisine aujourd'hui ? J'ai l'impression que le chef s'est encore surpassé. Tu vois, ce boulot a beau être chiant à mourir, au moins le service est nickel. Et même les services secrets. Maintenant, les jardiniers sont plus autorisés à entrer dans la maison. Ils prennent bien de quoi, la peur. Il ressemble trop à mon oncle. Ah. M'approcher encore et je vous trouve la peau. Je crois pas avoir vu la fille sortir de la maison depuis qu'on est arrivé. Pas d'école, pas d'amis qui viennent la voir. C'est bizarre, tu trouves pas? J'en sais rien. Peut-être. Elle est gentille comme tout, c'est pas le problème, mais il y a vraiment quelque chose. Désolé, nouveau règlement. Interdiction d'entrer ici à moins de faire partie de la sécurité. Parfait. Vraiment parfait. Je vais aller tuer ces clowns de la maintenance. Non, Mademoiselle Burnwood leur verse leur salaire avec une semaine d'avance. Bien, on va voir les patrons. Franchement, j'aimerais bien avoir cette vue-là de chez moi. Ouais. Ben moi, je me contenterai d'un toit au-dessus de ma tête. Genre... J'ai traversé l'enceinte. La maison est juste en face. La cible n'est pas loin. Bien. Entrez dans la maison et tuez Diana Burnwood. Quant à Victoria, vous nous la ramenez, sans la blesser. Elle est très précieuse à mes yeux et à ceux de l'agence. Quoi ? C'est pas vrai. Vous êtes sûr ? Alors, c'est pas un cancer de la prostate. c'est une super nouvelle. Oh la vache, comment j'ai flippé. Ouais, merci Doc. Ouais. Ouh, j'ai cru que j'allais y passer. Ouais, bon, je dois vous laisser, le devoir m'appelle. Encore merci. Bonne journée à vous aussi. Ouais. Ouh, c'est le plus beau jour de ma vie. Tu sais que la cliente veut pas qu'on fume à côté de la maison. C'est quoi ton problème? T'es un soldat, merde! La santé, c'est important! Qu'il y a un briefing de l'équipe dans le salon. Dans ce cas, faut qu'on se magne. Le patron déteste se répéter. Elle va bientôt redescendre. La fille est dans sa chambre et elle y restera jusqu'à nouvel ordre. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les détails, j'assignerai personnellement une protection rapprochée. Allez, vous pouvez me le dire. Je le répéterai pas. Cette recette est un secret professionnel transmis de chef en apprenti de cuisinier. J'emporterai le nom de l'ingrédient secret avec moi dans la tombe, mon bon monsieur.
Ce serait pas du sel? Non. Non. Mais pour qui me prenez-vous? Du sel? Par pitié. Pour votre gouverne, je suis un des plus grands chefs cuisiniers de ce grand désert culinaire que vous appelez une nation. Vous autres mettez du beurre liquide sur votre pop-corn. Si vous pouviez mettre du sucre dans l'air, vous le feriez juste pour sentir le bonbon à chaque fois que vous respirez. Et vous osez faire des suppositions sur ma recette qui m'a valu tant de récompenses? Du sel! Honte à vous, monsieur! Honte à vous! Ça va, allez maintenant, du calme. Partez d'ici. Je posais juste une question. Faut pas le prendre comme ça, mon chou. J'ai dit oust! Allez garder une porte ou tirer sur des canettes de pierre, espèce de gorille. Oui, 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 venez, entrez. Fouillez mes placards, cherchez des terroristes, tout ce que vous voudrez si c'est votre boulot. Mais laissez-moi me concentrer. L'artiste travaille. Mais je m'en fous! J'ai installé des toilettes portables dans le jardin, plutôt! Pas question qu'on risque une intrusion en laissant entrer quelqu'un qui n'a rien. Bonjour, comment ça va? Faut que je m'assoie. Juste une minute. Personne ne me verra. Il faut que je reprenne depuis le début. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment la plus bizarre. Elle a un côté top secret, tu vois ce que je veux dire? Mais d'où est-ce qu'elle sort? Je dirais que personne ne le sait, si tu ne veux pas. Hé, j'ai vu un truc. Il y aura des documents l'autre jour quand j'étais garde. Et il y avait un logo avec une tête de mort. Et le mot Mercedes l'écoutait. Je pensais que c'était juste une légende, ça. C'est ce qu'on dit sur le diable. Cette femme n'a pas juste cherché la merde, hein, c'est vrai. J'ai presque atteint la cible. Bien joué, 47. N'oubliez pas. Tout ceci est la faute de Diana. Elle nous a trahis. L'agence, le code, tout ce que nous défendons. Elle est trop dangereuse pour qu'on la laisse en vie. Pensez à ça quand vous appuierez sur la détente.
monsieur 47. Je devrais vous tuer. Pourquoi vous avez fait ça? 47, merde! Ça marche pas, ce bordel. Nous avons tous nos limites, même vous. Code d'honneur. Diana, je... Non. Il fallait que je la sauve des docteurs. Je savais que vous comprendriez. Merde! Putain, y'a un problème. C'est bientôt fini. Il vous reste une chance. Dans mon peignoir. Une lettre. On est la petite et fuyée. Avant que Travis ne comprenne. Je vous en prie. Elle ne doit pas devenir comme vous. Promettez-le-moi. Je vous le promets. Tu sais qui je suis. Oui, je sais. Elle est morte, n'est-ce pas? Bien, reste près de moi. Où est-ce qu'on va? Monte. C'est terminé. L'agence s'intéresse à toi. Je sais pas, j'ai peut-être pas... Diana a fait tout ça pour toi. Pourquoi? Je vous en prie, c'était ma seule amie. Elle m'a sauvée des griffes des docteurs. Parle-moi des docteurs. Je sais pas, c'est très flou. Comme un mauvais rêve. Pourquoi? Il faut qu'on y aille. Monsieur, il n'y a personne ici. Je crois que la cible a quitté le périmètre. Putain de merde! Je le savais qu'il pourrait pas!